Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Platon, la République. Une voix intérieure lui impose de se redresser. La nuit s'éclaire, puis le soleil l'éblouit. Il redescend dans la caverne, ses amis ne lui font pas bon accueil. Peu importe, il sait maintenant qui il est. Matrice d'une quête impossible vers un idéal, c'est un appel intérieur qui commande la marche du voyageur. Socrate lance le débat sur la justice, dire la vérité et rendre à chacun ce qu'on lui doit. Socrate descend au Pirée comme dans la caverne, puis s'élève à la dialectique vers la lumière du bien, mémoire du mythe. Socrate montre que la connaissance intellectuelle est fondée sur le sensible et l'intelligible. La vérité comme médiation, l'opinion ou doxa est composée de l'imagination et de la croyance. La caverne est le coup d'envoi de la métaphysique, Heidegger. Le prisonnier, libéré, regarde au-delà des choses perçues. L'idéal, l'idée et la recherche par un appel intérieur à se libérer de l'obscurité pour s'orienter vers la liberté, la vérité. Véritable éducation. Pour Rousseau, c'est le plus beau traité d'éducation. Cet ouvrage est aussi un traité politique, trois sortes d'âmes ou de dispositions à agir, la raison, le sentiment, tête, cœur, et le désir qui le pousse à se reproduire. Trois vertus, la sagesse, le courage, la tempérance. Vertu cardinale de saint Ambroise sur la fontaine Saint-Michel. Les mœurs d'une cité proviennent des mœurs des citoyens. Exigence éthique, désir de justice que tout homme ressent au fond de lui. Némésis, la déesse de la justice. La loi de l'éternel retour. On ne peut pas convaincre quelqu'un qui ne vous aime pas. Livre 1. Autant les plaisirs du corps s'affadissent, autant les désirs et les plaisirs qui ont trait aux entretiens prennent de l'importance. Heureux de dialoguer avec des gens avancés en âge. Apprendre auprès d'eux. Sophocle, en vieillissant, était content de ne plus avoir de relation avec une femme, échappé d'un maître enragé et sauvage. Il se produit à la vieillesse une grande paix et une libération. Quand les désirs perdent leur intensité, on se trouve libéré de tyrans nombreux et maniaques. C'est l'homme de bien qui supporte bien la vieillesse. Ceux qui ont acquis la fortune par eux-mêmes y sont plus attachés que les autres, comme les poètes de leurs poèmes, leur œuvre. L'injustice commise est une anxiété à l'approche de la fin de la vie, Hadès. Si sa conscience ne lui fait aucun reproche, une douce espérance l'accompagne. Conduire sa vie dans la justice et la piété. La richesse a une valeur élevée pour l'homme de bien. Ne pas tromper ni mentir, pas de dette, un homme réfléchi. Dire la vérité et rendre à chacun ce qu'on a reçu, homme sage et divin. Les gens de bien sont justes et bien incapables de commettre l'injustice. L'ami sera l'homme de bien. La justice est l'excellence humaine. Il est sage de ne faire de mal à personne. Socrate cita Bias, Simonide et Pythagos comme bienheureux sages. La justice a plus de valeur que beaucoup d'or. Il incombe à un ignorant d'apprendre de celui qui sait. C'est à toi de parler, toi qui déclares savoir. Voilà l'habileté de Socrate qui ne consent pas à enseigner quoi que ce soit. C'est vrai, je m'instruis auprès des autres. Je paie dans la mesure de mes moyens, en faisant des éloges car des biens matériels, je n'en ai pas. Le juste n'est rien d'autre que l'intérêt du plus fort, dit Thrasymaque. C'est ce qui gouverne, qui détienne le pouvoir, des lois d'intérêt propre. Les sycophantes étaient des délateurs publics qui vivaient de leur dénonciation plaie du système judiciaire athénien. Atteindre sa perfection le plus possible, démonstration que l'injustice est plus profitable que la justice, pouvoir tyrannique. L'injustice est plus forte, plus libre, plus souveraine que la justice. Socrate répond que le sujet est très important, règle de l'existence entière. Socrate croit le contraire. L'injustice n'est pas plus profitable que la justice. La justice est de plus grande valeur que l'injustice.
Le gouvernement, comme un berger pour ses moutons, n'envisage aucun autre bien que le bien ultime du sujet qu'il gouverne et dont il a le soin, compétence propre de chacun des arts. Chacun accomplit ce qui est sa fonction propre et profitable à l'objet auquel il est ordonné. Le salaire des meilleurs, celui par lequel les plus compétents exercent le commandement. Il exige un salaire car il s'efforce de bien exercer son art, ne réalisant ni ne commandant jamais pour lui-même. Le bien ultime, mais toujours pour le sujet, salaire à ceux qui sont disposés à consentir à la fonction, argent, honneur. Les gens de bien consentent à gouverner non pour l'argent, ni pour des avantages occultes, ni les honneurs, risque pour la réputation. La punition la plus sévère étant d'être commandé par quelqu'un de plus médiocre que soi. Mais ils recherchent ni leur intérêt personnel, ni de confier à des gens meilleurs qu'eux-mêmes, ou même semblables, l'intérêt du sujet qu'ils gouvernent. L'existence du juste est plus profitable, Glaucon. L'injustice est un discernement judicieux, Thrasymaque. Les gens de bien sont des sages prudents. La sagesse est une vertu. Le juste ne prend pas avantage de son semblable, l'injuste, oui. Thrasymaque croit tout savoir, comme toute absence de savoir. Celui qui possède le savoir est sage, et le sage est bon, et ne prendra pas avantage de son semblable. Celui qui est méchant est ignorant. L'homme juste est à la fois sage et bon, alors que l'homme injuste est ignorant et méchant. La justice est vertu et sagesse, l'injustice est vice et ignorance. L'injustice est une force considérable. L'injustice est plus puissante et plus forte que la justice. Mais comme la justice est sagesse et vertu, elle est donc malgré tout plus forte que l'injustice. L'injustice engendre des dissensions dans le gouvernement même, haine, conflit, qui seraient engagés ensemble dans une activité injuste, alors que la justice engendre la concorde et l'amitié. Ainsi, les injustes seront incapables de s'engager les uns les autres dans une entreprise commune, hostilité interne, et donc perdra sa puissance et incapable d'agir, discorde. Pareil pour un individu injuste. Les dieux sont justes et l'homme injuste sera l'ennemi des dieux. Les choses justes vivent une existence meilleure et ils sont plus heureux. Règle qu'il faut vivre, être juste. L'âme juste et l'homme juste vivront bien, l'injuste mal. Le juste sera rempli de bonheur, l'homme juste est heureux. Thrasymaque est devenu gentil et a cessé de faire le difficile. Livre 2. Le juste est de toute façon préférable à l'injuste. C'est un bien qu'on aime pour lui-même. Exemple, la joie. Être réfléchi, être en bonne santé, c'est le bien que doit aimer celui qui désire être bienheureux. Socrate fascine comme un serpent. Supériorité de la justice sur l'injustice. Subir l'injustice est un moins grand mal que de le commettre. Allégorie du berger à l'anneau du géant trouvé dans l'éboulement de terrain. Cet anneau rendait invisible. Se mêlant au messager, il entra au palais et séduisit la reine. Il tua le roi et s'empara du pouvoir. Personne n'est juste de son plein gré. Partout où chacun croit possible pour lui de commettre l'injustice, il le fait. Car tout homme croit que l'injustice lui est beaucoup plus avantageuse individuellement que la justice. Car si quelqu'un aurait le pouvoir et n'en abuserait pas, on le considérerait comme le plus malheureux et insensé des hommes. Ce qui est possible, l'homme l'entreprend. Ce qui ne l'est pas, il le laisse de côté. L'injustice veut passer inaperçue. Jouissant d'une grande réputation, les injustices seraient plus grandes. Face à un homme juste, donc humble et noble, est-ce qu'il, pas seulement paraître homme de bien, mais être un homme de bien. Glaucon semble polir une statue quand il fait une démonstration, tellement elle est soignée et précise. Les pères insistent sur la nécessité d'être juste en parlant à leur fils. Mais ils le font pour la considération qui en découle, réputation, postérité pour les enfants de l'homme, saints et fidèles à ses serments, boue pour les hommes impies et injustes. Les poètes célèbrent dans des hymnes la beauté de la modération et de la justice, mais ardue. Les dieux affligent bien des hommes justes d'un destin malheureux. Les dieux ont placé la sueur devant la vertu, Hésiode. Alors que les dieux même sont influencés quand on les implore après avoir commis une faute aux mères, et on peut être délivré et purifié de ces injustices par des sacrifices. Si je suis juste et que je ne m'en donne pas l'apparence, alors je n'en tirerai aucun profit. Une vie injuste d'une apparence de justice est digne des dieux. Le paraître.
Pas facile de toujours se cacher quand on est méchant, mais pas des dieux, Hadès. D. Recouvrir une belle parure fallacieuse. Socrate est un propagateur de la justice. La justice appartient aux biens les plus élevés, a dit Mante. Socrate souhaite se porter au secours de la justice jusqu'à son dernier souffle. La réponse demande un regard bien aiguisé. La justice existe pour un être ou une cité. La cité étant plus grande, comme des lettres d'imprimerie plus grosses, on verra mieux, plus facile à saisir. La cité se forme, car chacun d'entre nous se trouve dans la situation de ne pas se suffire à lui-même. Il s'associe pour s'entraider, nourriture, logement, vêtements. Chacun s'occupe d'une chose selon ses dispositions naturelles. Un échange se crée, puis continue avec d'autres cités. Symbole de l'échange, la monnaie. Les faibles ou inaptes restent au marché, les commerçants, alors que les marchands vont de cité en cité. Ils vendent le salaire de leurs efforts. Tout se développe et devient complexe en agrandissant la cité. Le territoire doit être agrandi et nous nous ferons la guerre, armée qui puisse se mobiliser pour protéger les biens de la cité et combattre. Car un seul ne peut accomplir tous les métiers. Chacun faisant un travail de qualité, artisan. Le gardien doit grogner comme un chien et doux pour les connaissances. Et pourtant, il n'a reçu aucun mal avant et affectueux sans aucun bienfait. Donc, il révèle une sensibilité naturelle d'une certaine finesse et authentiquement philosophe. Un philosophe est bien rempli du désir de connaître. L'homme aussi doit être philosophe. Rempli d'ardeur impétueuse, prompte et forte pour devenir excellent et valeureux. Formons ces hommes comme un travail préliminaire. Gymnastique pour le corps, musique pour l'âme, discours vrai en commençant. Comme pour les enfants, par un discours faux avec des histoires. En toute tâche, la chose la plus importante est le commencement. Le jeûne se façonne et l'empreinte peut se graver. Par les combats des dieux écrits par Homère, par ses poèmes, on peut l'admettre dans la cité. Pour un fondateur de cité, il faut représenter le dieu tel qu'il est, bon et pas nuisible. Le bien n'est pas la cause de toute chose, mais de celles qui sont bonnes. Le dieu n'est pas la cause de tout, mais d'un petit nombre des choses qui adviennent aux êtres humains. Le Dieu n'est pas responsable des maux. Le Dieu est l'auteur d'œuvres justes et bonnes, et ceux qui ont été châtiés en ont tiré un bienfait. S'opposer aux poètes écrivant le contraire, ainsi que les conteurs dans leurs récits. Le corps le plus sain sera celui qui sera le moins altéré par les nourritures et les boissons, le plus vigoureux. C'est l'âme la plus courageuse et la plus réfléchie qui sera la moins troublée. Le Dieu est absolument parfait et donc le moins susceptible de recevoir plusieurs formes. Mauvaise influence des poètes. Ce que chacun accepte le moins, c'est d'être trompé, mensonge véritable. Le mensonge réel est haï des dieux et des hommes. Personne n'est ami d'un dieu chez les imbéciles et les fous. Aucune raison qu'un dieu soit menteur. Il est simple et véridique en acte et en parole et il ne trompe pas les autres. Respectez les dieux, les poètes aussi. Livre 3. Vénérer les dieux et leurs parents. Ne pas craindre la mort. Enlever cette terreur du dedans, existence de l'Hadès. En faire l'éloge. Et Homère, plus il est poétique, moins il convient aux oreilles des enfants et des hommes, qui doivent être libres et redouter l'esclavage plus que la mort. L'homme sage ne considère pas le fait de mourir comme une chose terrible. Pas se lamenter sur lui-même. Avoir besoin d'autrui. Supporter les situations malheureuses le plus sereinement du monde. Se moquer des histoires des poètes. Et pas de plainte funèbre. Pas rire non plus, pas dire qu'un dieu rit. On ne peut accepter cela. Mais accorder beaucoup d'importance à la vérité. Le mensonge n'est d'aucune utilité pour les dieux. Mentir est une faute grave chez les hommes. On le châtiera, surtout quand les actions viennent compléter la parole. Être modéré au plaisir du vin, de l'amour, de la table. Homère ne doit pas faire autrement. Achille, avide de richesse, nous ne porterons pas de jugement. C'est impie. Platon cite Chiron comme très sage. Tout homme s'excusera lui-même d'être méchant. La crainte des histoires de poètes crée la méchanceté. Faux de dire que nombreux sont ceux qui sont injustes et heureux, et que l'injustice est profitable si elle reste cachée, et que la justice est un bien pour autrui et un dommage pour soi-même. Les poètes composent leurs récits à partir d'imitations, ils se camouflent, imitation pour l'art de raconter, comme dans les dithyrambes, manière de dire, sans imitation. Tragédie et comédie dans la cité, l'homme
ne peut à la fois se consacrer à l'imitation et avoir des occupations de grande importance. Donc, nos gardiens dégagés des autres métiers doivent être les artisans de la liberté de la cité et s'occuper de rien d'autre. Ils n'imitent rien d'autre, pas pratiquer des actions qui ne sont pas libres. Devenir des hommes de bien, un homme mesuré, un homme bon dans une action ferme et sensée, et pas diminué par les maladies, le désir amoureux, l'ivresse. Donc ils n'estiment pas l'imitation, mais le discours sera élaboré. Plus il sera médiocre, plus il imitera n'importe quoi, imiter le vertueux plutôt. La mélodie est constituée de trois éléments, la parole, l'harmonie et le rythme. Plus inconvenant est l'ivresse, la mollesse et la paresse. Gardons ce qui imite les tons et les accents d'un homme courageux. Gardons celle de l'homme engagé dans une action pacifique, non violente, accomplie de plein gré, adressant une prière au Dieu. Agir de manière réfléchie et sans arrogance, empreinte de sagesse et de mesure, en se contentant de ce qui arrive. Laissez les harmonies violentes et volontaires de ceux qui souffrent ou sont heureux, sages et courageux. Laisse la lyre et la cithare et syrinx pour les bergers, instruments d'Apollon. Purifions la cité du luxe amollissant. L'excellence du discours et de l'harmonie, la grâce du geste et du rythme découlent de l'excellence du caractère, alliance du bien et du beau. L'art graphique, l'artisanat, la broderie, l'architecture et l'art de la fabrication de tous les objets domestiques. Poète vertueux ou s'abstenir, élever ainsi les enfants dans la musique, la grâce, la lecture, beauté morale. L'amour correct consiste à aimer avec modération, selon l'esprit de la musique, ordonné et beau. Pas de plaisir fou, sinon il se verra reprocher son manque de raffinement et de délicatesse. L'âme bonne, par sa vertu, procure au corps ce qui le rendra le meilleur possible. Après l'esprit, la gymnastique, pas d'ivresse, avec un régime vigoureux, simple exercice et modeste. S'abstenir des desserts et des maîtresses. La variété engendre l'indiscipline et la maladie. Pas trop de gymnastique, obstacle à l'étude, l'activité de réflexion et de la concentration sur soi-même. Une bonne diète assure une condition physique saine. Le bon juge doit être un homme mûr, le juge bon et sage. L'exercice physique a pour but d'éveiller l'ardeur morale de sa nature, vigueur physique. Peu de spécialisation en gymnastique, brutalité et en musique ou poésie, mollesse. Trop de douceur fait devenir mou. Harmoniser l'âme sage et courageuse et un désir de savoir. Les meilleurs gardiens tout au long de leur vie s'établiront gouvernants d'auxiliaires et assistants gardiens. Pour l'or et l'argent, on dira que les dieux ont donné à leur âme de l'or divin et qu'ils n'ont pas besoin de l'argent des hommes. L'or qui est en eux est pur. S'ils possèdent une terre, ils deviendront tyrans et ennemis au lieu de gardiens. Livre 4. Pas de salaire, seront-ils heureux? C'est la cité entière et non un groupe qui doit être heureux. Comme une statue, la totalité doit être belle. De même pour l'agriculteur et le potier. Les gardiens peuvent détruire la cité. La cité se développant dans son entièreté de cette manière pour un bonheur commun. Les facteurs qui corrompent sont la richesse et la pauvreté. Après s'être enrichi, voudra-t-il encore s'occuper de son art? Mais paresseux et indolent, un artisan médiocre et pauvre, ses fils deviendront moins bons artisans. Richesse égale goût du luxe, la pauvreté égale servilité. Fixez aussi les dimensions de la cité, une cité ni trop petite ni trop grande. En envoyant certains enfants dans les autres cités, on régule la population. Les enfants de qualité deviendront gardiens dans la cité. La grande prescription est l'éducation. Entre amis, tout est commun. Éducation des enfants pour qu'ils deviennent des adultes mesurés. Jeu pour les enfants qui les rapprochent de la loi, dans le respect silencieux. Entretenir des bonnes relations avec les autres cités. Modération et harmonie dans la cité. Maintenir l'opinion conforme à la loi. L'homme juste dans la cité juste. Les belles choses sont difficiles. La justice se trouve en chacun d'eux. Royauté si un seul se démarque du groupe des dirigeants. Aristocratie s'il y en a plusieurs. Pour les lois gouvernementales de la cité, avec une formation et une éducation prescrite, un seul ou plusieurs dirigeants mèneront la gouvernance de la cité. Cela est le genre de constitution politique bonne et droite, les autres sont mauvaises. Femmes et enfants sont entre amis, tout est commun. Discutons avec mesure, rire serait puéril. C'est une faute de moindre importance de devenir involontairement le meurtrier de quelqu'un que de devenir trompeur. Aux femmes, les arts et la guerre sont les mêmes conditions.
En premier, les Crétois, puis les Lacédémoniens s'exercèrent à la gymnastique. Les gens raffinés les raillaient. Ils se dévêtirent car cela était meilleur pour eux. Sot celui qui tend tous ses efforts vers tout autre but que le bien. Une question difficile. Et comme tomber dans une piscine ou en mer, il faut quand même nager. Nos gardiens et nos femmes doivent exercer les mêmes occupations. Il n'existe aucune occupation propre à la femme en ce qui concerne l'administration de la cité. Chez eux, les fonctions du corps se subordonneraient à la pensée. Un est doué naturellement, l'autre pas. Dans toutes les activités, soit l'homme, soit la femme est dominé par l'autre. Pour l'administrateur, c'est réparti de manière semblable. La femme est plus faible que l'homme. C'est l'aptitude naturelle qui déterminera. Il n'est pas contre nature d'accorder aux femmes les fonctions des hommes. C'est le meilleur choix. Produire dans la cité les meilleures femmes et hommes, en confiant une part plus légère aux femmes compte tenu de leur faiblesse. C'est le bénéfique qui est beau et le nuisible qui est laid. Que ces femmes soient toutes communes à tous ces hommes et qu'aucune ne cohabite en privé. Que les enfants également soient communs et qu'un parent ne sache pas lequel est sa progéniture, ni un enfant son parent, législation. Un bien excellent que les femmes soient communes. Il faut se soumettre à la justice. Les paresseux qui nourrissent leurs pensées par eux-mêmes, les femmes seront attribuées selon un naturel similaire. Le but étant une cité de gens heureux, donner au mariage un caractère sacré, accouplement comme les animaux de race. Les hommes, les meilleurs, doivent s'unir avec les femmes, les meilleures, et éviter que les médiocres s'unissent rarement. Nourrir les premiers, pas les autres, progéniture, pour un troupeau supérieur. Sans que personne ne sache à part les dirigeants, réguler pour ne pas avoir une cité trop grande. Tirage au sort sophistiqué pour l'homme médiocre, ceux qui s'en prennent au sort. Les jeunes qui excellent seront récompensés, plus de liberté et plus de femmes. La semence de ces hommes est meilleure pour la cité. Les malformés seront cachés, mis au secret et isolés. La race des gardiens sera pure. Les femmes ne reconnaîtront pas leurs enfants. Les hommes à maturité procréeront, 20 et 30 ans selon le sexe, âge où l'homme atteint le sommet de sa performance à la course. Maturité du corps, 40, et de l'esprit, 55. Faute impie et injuste, l'enfant sera caché, conçu dans l'ombre, incapacité à se dominer. Enfant bâtard, dépourvu de légitimité. Passé l'âge limite, ils seront libres, mais les enfants n'auront pas à manger. La pitié donnera son consentement. Le plus grand bien pour la cité. Se réjouir ou s'affecter ensemble de la joie ou de la peine de chacun. Les citoyens ont des protecteurs, donneurs de salaire, nourriciers, gouvernants, esclaves, co-dirigeants ou co-gardiens. Tous les biens sont en commun, ni maison privée, ni terre, ni bien, et recevoir leur subsistance des autres. Que le corps est privé, disparition des plaintes des uns contre les autres, exempt de discorde, aucun procès. Grâce aux lois, des hommes vivront en paix. Aucune dissension entre eux, ils vivront une vie absolument bienheureuse. Plus de flatterie des pauvres à l'égard des riches, une cité la plus heureuse qui soit. Hésiode, la moitié vaut d'une certaine façon plus que le tout. Une vie mesurée et raisonnable, consulter le Dieu, épargner la race grecque et ne pas subir l'esclavage aux mains des barbares. Statuons d'une bonne législation. Les philosophes réguleront, ou les rois philosophes de manière authentique. Celui qui est possédé du désir affirme qu'il désire toute l'espèce de cette chose. Vingt femmes, l'éclat de la jeunesse. Le philosophe aussi, possédé du désir de la sagesse et de la sagesse tout entière. Goûter à tout savoir se porte vers le bon. La connaissance insatiable. Les philosophes véritables sont ceux qui aiment le spectacle de la vérité. Le beau, le juste, le bon, ceux qui sont capables d'aller vers le beau en soi et de le voir purement et simplement. Distinction entre amis de l'opinion et amis de la sagesse, ces derniers étant les seuls philosophes véritables. Livre 6. Amoureux de l'essence tout entière, la sincérité et la volonté de ne jamais admettre de plein gré le mensonge, mais de le détester au contraire et de chérir la vérité. Un homme modéré est dépourvu de cupidité. La petitesse d'esprit est incompatible avec une âme tendant vers la plénitude. Sublime grandeur vouée à la contemplation. L'homme, n'ayant pas peur de la mort, un lâche et servile ne saurait être philosophe. Ni vaniteux insociable et sauvage en sa jeunesse, avec une facilité à apprendre et une mémoire excellente avec de la culture, de la mesure et de la grâce.
son âme doit parvenir à la pleine et parfaite saisie de l'être. Une grandeur d'âme, les cités seront soulagées de leurs maux seulement quand les philosophes y exerceront le pouvoir. Pourtant, à contrario, il semble que ceux qui s'attardent trop longtemps et s'efforcent de pratiquer la philosophie deviennent étranges, pour ne pas dire pervers. Les plus doués souffrent de quelques affections qui les rendent inutiles au service des cités. Les plus sages en philosophie sont inutiles à la foule. Il n'est pas naturel que les sages aillent aux portes des riches. C'est au malade d'aller voir le médecin et à celui qui a besoin d'être dirigé d'aller à la porte du guide et non le contraire. Ce sont les détracteurs qui parlent de pervers et que le sage est inutile. Il faut développer le naturel et l'on doit devenir un homme de valeur dirigé par la vérité. L'imposteur, non. Le véritable amour du savoir est naturellement disposé à lutter pour atteindre l'être, pureté et justice. C'est la meilleure croissance hostile qui nuit au naturel, les médiocres. Le sophisme rémunéré, milieu défavorable. Folie de la multitude stérile. Le philosophe demeure tranquille, s'occupe de ses affaires personnelles et il s'estime heureux s'il peut lui-même vivre sa vie, pas d'injustice et d'action impie, et mourir dans la sérénité et la paix de l'âme. Devenir des philosophes accomplis. Mener une existence heureuse, dire la vérité avec un enthousiasme sincère. Le philosophe qui vit en présence de ce qui est divin et harmonieux devient lui-même divin et harmonieux. Les gardiens les plus accomplis seront les philosophes en petit nombre. Le savoir suprême, l'existence du beau en soi et du bien en soi, géométrie. Livre 7. Allégorie de la caverne. Remonter vers le haut, à la lumière, contempler les choses. Ascension de l'âme, procurant vérité et intellect, puis de la contemplation divine au malheur humain. Trouble de passer de la lumière à l'obscurité, tourna l'âme vers le bas. Conversion d'une âme, cette ascension s'appelle philosophie. Il s'attache à l'être en se dégageant du devenir. Alors il sera expert dans l'art du raisonnement, harmonie de l'astronomie pythagoricienne. S'exercer au dialogue comme une gymnastique 5 ans, puis 15 ans de plus, 50 ans, pour mettre à l'épreuve le côté inébranlable. Ceux qui auront triomphé de ces épreuves, il faudra les mener vers le but final, en contemplant le bien lui-même, le modèle pour ordonner la cité, consacrant la plus grande partie du temps à la philosophie, puis les tâches politiques et prennent le commandement, les dirigeantes aussi. Mépriser les honneurs, car le juste est le plus nécessaire. Ainsi la cité s'établira. Livre 8. La constitution politique doit maintenir la cohésion, impossible à ébranler, structure pour ne pas être ébranlée. Les pauvres ne seront plus méprisés par les riches, la modération évitant les désirs inutiles et indignes d'un homme libre. Pas de tyran camarade, il sera obligé de supprimer tout le monde. Livre 9. Un homme misérable dans une constitution démocratique peut devenir un tyran. Il a les désirs déréglés, sa souffrance. Désirs sauvages qui existent en chacun de nous, les songes. Des désirs qui mènent à la richesse, folie qui aliène. Puis il trouve des flatteurs prêts à le servir entièrement. Mais eux sont amis de personne. Il a servi le groupe le plus respectable en le déshonorant. Il appauvrit la cité à son avantage. Jusqu'à la fin de celui qui ne se gouverne pas lui-même, cet homme jugé le plus malheureux de tous. L'homme tyrannique. Impuissant à se dominer lui-même, malade et incapable de se contrôler. Alors que le meilleur, le plus juste et le plus heureux, il est le plus royal. Chez les âmes, l'espèce qui commande est le philosophe, ami du savoir et de la sagesse. Trois sortes d'hommes, le philosophe, l'ami de la victoire et l'ami du profit. Chacun fait éloge de son mode de vie. Recherche la sagesse, les honneurs, le plaisir du gain. Et le plus de connaître le vrai et continuellement apprendre, plaisir véritable. Il est nécessaire que le philosophe goûte à ses autres plaisirs. Ainsi, le philosophe l'emporte et de beaucoup. C'est lui qui juge le mieux. La sagesse de la réflexion, les raisonnements, instruments par excellence du philosophe, c'est lui qui détient les objets les plus vrais et qui jouit de la vie la plus agréable et la plus durable. L'homme intérieur est plus souverain sur l'être humain, éloge du juste, celui qui dit la vérité.
Celui qui loue le juste dit la vérité, celui qui le dénigre ne dit rien de valable. Les choses honorables se fondent sur le fait que la partie bestiale de notre nature est soumise à la partie humaine, ou mieux, à la partie divine. Les choses honteuses sont esclaves, discipline, principe qui commande l'homme supérieur. Livre 10. Rejet absolu de la poésie imitative, car elle déforme l'esprit de leur auditoire, comme Homère. Le respect d'un homme ne doit pas passer avant le respect pour la vérité. Chef de file, Homère possède le savoir pour créer, mais trompe les gens car ses œuvres sont éloignées du réel, vérité. Fabricant de simulacres et ainsi n'atteint jamais la vérité. C'est l'art d'imiter car il n'entend rien à ce qui existe réellement. Il s'ensuit que l'âme qu'on cherche à contenir est assoiffée de larmes, tragédie, et porte à se lamenter sans retenue, désir contraire au bonheur. Pour le comique, la pitrerie, au lieu de mépriser sa médiocrité, tu ris au point de devenir toi-même un fabricant de farces, nourrissant les choses de l'amour, là où on veut les tempérer, les assécher. Elles finissent par nous diriger. Restons vigilants, donc il faut bannir la poésie de la cité. Ancien conflit entre la philosophie et l'art de la poésie ayant pour objet le plaisir et pourra revenir dans la cité, quand elle produira sa justification soit en une forme lyrique, soit en une autre. Hadès, où les individus dont la disposition au crime était incurable et où, quand on n'avait pas assez amendé le châtiment infligé, retournaient dans les flammes. Parole de la Vierge Lachesis, fille de nécessité. Âme éphémère, voici le commencement d'un nouveau cycle, c'est vous qui choisirez la prochaine vie. Le Dieu n'est pas responsable. Chacun ramassa son sort et les modèles de vie, tyran, entièreté, mort précoce, pauvreté, exil, mendicité, vie d'homme renommé, beauté, homme obscur, et pareil pour les femmes. Avec l'âme correspondante, choisir entre une vie mauvaise et une autre excellente, une âme injuste et une juste, et il aura la liberté de s'en éloigner ou d'en augmenter encore le sens. Savoir choisir sa vie, car c'est de cette manière que l'être humain atteint le bonheur suprême. Choix d'une manière réfléchie, la vie philosophique d'une manière disciplinée sur terre, ce que d'hier. Il mènera ici-bas une vie heureuse, pas un souterrain rempli d'aspérités, mais une voie douce sur le chemin céleste. R dit que cela était un spectacle qui méritait d'être vu, pitoyable, drôle et surprenant. Le choix découlait des habitudes de vie de leur existence antérieure. Exemple, Orphée devint un cygne car il haïssait le sexe féminin, lui évitant de s'unir à une femme pour engendrer. Un autre, un rossignol. Une âme d'un vingtième rang devient lion, Ajax. Agamemnon, haïssant l'espèce humaine, choisit d'être un aigle. Les âmes des animaux injustes changées pour des vies de bêtes sauvages, plus de choix. Puis, en rang, la déesse leur assigne à chacun un démon, celui de l'âme, choisi comme gardien de sa vie et qui veillera à l'accomplissement de son choix. Puis, la plaine du Léthé, par une chaleur terrible et étouffante au bord du fleuve Amélès. Toutes les âmes devaient boire l'eau, mais celles qui s'étaient pas protégées par l'exercice de la raison réfléchie en buvaient plus que la mesure. Interdit à R de boire, celles qui buvaient oubliaient. Les âmes vont sur le lieu de naissance de l'individu. Donc l'âme est immortelle, capable d'affronter les maux, capable aussi d'accueillir tous les biens. Appliquons-nous à mettre en œuvre la justice au secours de la raison. Nous serons des amis pour nous-mêmes et aussi pour les dieux durant notre séjour terrestre, autant qu'après. C'est ainsi que durant cette vie et au cours de ce voyage de 1000 ans, nous trouverons bonheur et succès dans notre vie. Platon, la République. Merci.